Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mesdames, messieurs, ça a été vraiment un plaisir, ça a été une joie partagée ici et là. Vous qui êtes au bout des ondes sur les réseaux sociaux, sûrement vous avez été touchés par cette bénédiction exceptionnelle à l'occasion du 7e anniversaire du cœur de l'unité togolaise. Je bénis l'Éternel pour cette opportunité que l'Éternel lui-même a dominée et présidée par l'œuvre du Saint-Esprit. Je voudrais également prier pour la vie de chacun des membres du cœur de l'unité togolaise. Puisse Dieu les bénir, puisse Dieu les couvrir de grâce, puisse une bénédiction abondante et la bonté de Dieu les localise à chaque endroit où chacun d'eux va se trouver. Également, les partenaires du cœur de l'unité togolaise, que la bénédiction vous localise également, que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Vous qui nous suivez, vous qui avez donné de votre temps pour suivre cet événement également, puisse Dieu vous bénir abondamment. Je m'en voudrais de ne pas vous présenter quelqu'un de très spécial qui était à l'ouvrage de cet événement. Et je voudrais saluer, bien sûr, le travail du manager général qui est Monsieur Jean Lonlon Dobé. Et aussi le directeur artistique qui n'est autre que Monsieur Komlan Kekeli Oussou. Monsieur Komlan Kekeli Oussou. Et je crois que vous allez accompagner, bien sûr, le cœur de l'unité togolaise de vos prières. N'oubliez pas le thème sous lequel est placé cet anniversaire. C'est bien sûr « Make a joyful noise ». Pousser des cris de joie qui est tiré du psaume 95 au verset 1. Je me fais le plaisir de vous lire ce psaume du verset 1 au verset 7. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur. Puisse cette opportunité permettre à quelqu'un de venir à Jésus. Puisse cette opportunité permettre à quelqu'un de donner sa vie au Christ. Et puisse cette opportunité allumer une fois encore, et mieux encore, la flamme de l'évangélisation dans le cœur de quelqu'un. Merci une fois encore et à l'année prochaine. Au revoir.